Bon matin, comment ça va? Joyeuse Pâques. Pour ceux qui nous visitent, je m'appelle Gaétan, je suis pasteur principal avec une belle équipe. Et pardonnez-nous d'être un peu excités pour un chrétien. Le dimanche de Pâques, c'est un peu comme le Super Bowl. Et il y a plus en ce lieu que des nachos et de la bière. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et peut-être vous posez la question, souvent j'ai des amis qui ne vont pas à l'église habituellement, qui me posent la question quand ils apprennent que je suis pasteur. Est-ce qu'il y a encore du monde à l'église? Est-ce que les gens vont encore à l'église? Vendredi soir, super réunion du Vendredi Saint, au-delà de 1000 personnes ici au portail. Ce matin, avec nos trois réunions, au-delà, nous croyons au-delà de 1700 personnes ce matin au portail. Est-ce que je peux entendre amen? Yes! Si vous avez été visité ce matin, on est content de vous accueillir, très, très heureux de vous accueillir. Et on espère que vous allez comprendre, notre slogan ici à l'Église Le Portail, c'est « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Personnellement, la religion n'a jamais rien fait pour moi. La religion ne m'a jamais donné de paix, la religion ne m'a jamais donné de joie, jamais donné de force dans l'épreuve. Il y a une seule personne qui a changé ma vie, puis c'est Jésus. D'ailleurs, même l'apôtre Paul va dire que la lettre tue, la religion apporte la mort. La seule personne qui peut amener la vie, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi on dit que tout a toujours rapport avec Jésus, parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Il dit « Je vous donne la vie en abondance. » Et c'est pourquoi notre message ce matin, on ne fait pas la promotion d'une église, d'un mouvement. On fait notre seule promotion, c'est Jésus-Christ qui a changé nos vies, qui peut changer ta vie ce matin. Maintenant, permettez-moi de faire une parenthèse juste pour vous mentionner aux gens notre série « Tout a toujours rapport avec Jésus ». C'est non seulement notre slogan, en même temps, c'est une série, on est dans l'Évangile de Marc. On devrait être ce matin à Marc, la 16e partie, ça se termine à 20. Mais vous allez voir, le message que je prêche ce matin, c'est « Tatrage 20 ». Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que ça serait une bonne chose de faire coïncider le récit de la résurrection de Jésus avec la matinée de Pâques. Donc, la semaine prochaine, on reprend avec Marc 13 sur le discours de Jésus sur la fin des temps. Mais ce matin, on veut vraiment célébrer Jésus, déclarer qu'il est vivant. Il y a quelques années, il y a un homme qui a fait un voyage avec sa femme et sa belle-mère en Israël. En Israël, il arrive un accident et sa belle-mère meurt. OK, les gars, ne dites pas « Amen », OK? En passant, si vous nous visitez et vous dites « Mais il semble qu'on dit beaucoup Amen », oui, Amen, ça veut dire « Je suis d'accord ». Donc, on trouve que quand on est d'accord, on a le droit ici à l'Église, quand le pasteur parle ou quand il se passe de quoi, vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de dire « Je suis d'accord ». Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, mais il ne faut pas le dire. Parce que ça peut créer un malaise, OK? Mais cela étant dit, quels sont ceux qui croient que Jésus est vivant? Amen. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Et cet homme-là, sa belle-mère, va mourir. Et on lui dit, ben c'est simple, pour s'occuper des funérailles de votre belle-mère, ça va coûter 100 $. L'homme dit, non, mais je veux la ramener au Québec. On lui dit, oui, mais c'est parce que si vous voulez ramener la dépouille de votre belle-mère au Québec, ça va vous coûter 10 000 $. Il dit, je vais payer 10 000, je veux qu'elle revienne au Québec avec nous. Et là, son épouse, elle va voir son mari, puis elle lui dit, ah, c'est tellement touchant de voir que tu es prêt à payer autant d'argent pour ma mère. T'es mieux payer 10 000 $ à la ramener au Québec que de la laisser ici en Israël puis que ça te coûte seulement 100 $ et que tu as un grand cœur. Et l'homme répond, t'as pas compris, c'est que 2000 ans, eux autres se sont occupés d'un gars puis il est revenu, je veux pas prendre de chance avec ta mère. Maintenant, Jésus, il y a du monde qui dit amen. Jésus est venu afin que tu revives. Lorsque je suis descendu, je me suis pris une bouteille d'eau et c'est la première fois que je remarquais soif de vie. Soif de vie. Ah. Tout le monde a soif de vie. Tout le monde a soif de vie. Et dans cette bouteille, il n'y a pas de vie. Jeu de mots. La vie, elle est en Jésus. Jésus veut te donner la vie et en ce matin de Pâques, notre thème est 75 minutes pour revivre. 75 minutes pour revivre. Et si vous permettez, comme c'est notre habitude, on va aller dans
la Bible. Et dans la Bible, il y a une section qu'on appelle les évangiles qui nous raconte la vie, la mort et la résurrection de Jésus. On est dans l'évangile de Marc qui nous présente le compte-rendu le plus terre à terre. La résurrection de Jésus, je fais la lecture, Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Et pour vous mettre en contexte, Jésus a été crucifié. Jésus a annoncé qu'il était le sauveur du monde, qu'il était le Messie, lui qui était sans péché, qui était pur, qui a toujours fait le bien. Les religieux de son époque l'ont crucifié. Et maintenant, voici ce qui se passe. Lorsque le sabbat fut passé, qui était la fête juive où on se reposait le samedi, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau? » Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche. On apprend que c'est un ange. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. J'ai 10 brèves réflexions sur ce récit pour que tu réalises comment Jésus veut t'amener à revivre ce matin. Et premièrement, on doit tous réaliser qu'on a tous à vivre avec la mort dans certains domaines de nos vies. Vous savez, c'est très populaire dans notre culture de dire, de parler du rêve, on vend le rêve. Et j'aime le rêve, mais avec l'expérience, j'ai compris que la vraie vie n'est pas un rêve, c'est la réalité. Alors on va dire des choses, essayez-le sur Facebook, « Mieux vaut vivre ses rêves que rêver sa vie », et là vous allez voir plein de likes. Les gens aiment entendre parler du rêve. Moi, la dernière fois que quelqu'un me dit, « Vis tes rêves », je suis retourné me coucher. Parce que où les rêves sont plus réels, c'est lorsque je dors. Parce que dans la vraie vie, il y a des crises, il y a des deuils, il y a de la souffrance, il y a des larmes, il y a des divorces, il y a des maladies. La vraie vie n'est pas facile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La vie n'est pas un rêve. La vie n'est pas un film de Walt Disney. Et ces femmes-là, leur rêve, leur plan A, leur idéal, c'était, elles suivaient Jésus. Jésus dit, je suis le Seigneur, je suis le Messie, je vais établir le royaume de Dieu. Elles étaient heureuses, elles avaient un rêve, un plan A, et tout à coup, boum! Jésus est crucifié. Pour elle, c'est la fin. Et tout le monde qui est devant moi ce matin, il y a des domaines de ta vie, il y a des rêves que tu avais qui sont morts. Et si tu dis, moi, là, aucun de mes rêves n'est mort encore, attends encore une couple d'années. Pourquoi? Parce que c'est la vraie vie. Et Jésus est venu pour la vraie vie. Ces femmes-là, premièrement, elles avaient besoin de revivre. Elles avaient la mort dans l'âme et... On va faire quelque chose de différent ce matin. Je vais céder la parole à deux reprises pour que des gens viennent témoigner comment Jésus les a fait revivre. La première personne, c'est Monique, qui est sur notre équipe pastorale, qui a vécu ce que ces femmes ont vécu. À un moment donné, l'idéal, le rêve, le plan A ne fonctionne plus. La mort est là. Et comment Dieu, dans l'épreuve, peut faire revivre? Donc, Monique, est-ce que tu peux venir? Est-ce qu'on peut l'encourager pendant qu'elle s'avance? Au mois de mai 2010, j'ai vécu le plus grand paradoxe dans ma vie. Au début du mois, j'ai reçu mon diplôme, mon premier certificat en études bibliques à l'ITF. Et c'était un des plus beaux, à part la naissance de mes enfants, un des plus beaux moments de ma vie. Je peux dire, c'était un rêve. Vraiment un rêve que j'avais depuis 19 ans de servir Dieu à temps plein, de vous servir, de servir l'Église à temps plein. Ce rêve-là s'est réalisé en mai 2010, le 2 mai. Paradoxalement, le 29 mai du même mois, je vivais la plus grande tristesse de ma vie alors que mon mari a été foudroyé par un AVC qui l'a laissé paralysé, aphasique, trouble de la vision. Beaucoup le savaient déjà. Alors, j'ai vécu un grand, grand paradoxe dans ce mois-là. Et effectivement, j'ai vécu aussi avec le sentiment un sentiment de mort, parce que c'est ce qui avait été décrété sur la vie de Robert. Le neurochirurgien avait dit, nous avait annoncé à moi et mes fils que
l'hémorragie cérébrale était trop sévère pour que Robert revienne. Alors, il le considérait comme déjà mort, puis il nous avait demandé, le choix qu'il nous avait demandé de faire, c'est de le débrancher maintenant, de le laisser aller naturellement ou de juste faire une intervention pour enlever le sang, le brancher, attendre que la famille arrive et ensuite prendre la décision de le laisser mourir. Sauf que moi, dans toute l'incertitude qu'on vivait, je connaissais une chose, je connaissais mon Dieu. Et je savais que Dieu, c'est lui qui aurait le dernier mot. Alors, j'ai dit au médecin, vous faites ce que vous avez à faire au niveau médical et on va laisser la nature suivre son cours. Alors, c'est ce qu'on a fait. Mais j'ai réalisé qu'en quelques minutes seulement, alors même que j'étais dans l'ambulance en allant vers l'hôpital, que j'entendais l'ambulancière en arrière dire à l'autre de se dépêcher parce qu'elle est en train de perdre mon mari, je réalisais que j'étais en train de vivre un avant et un après. Avant l'AVC et après l'AVC, je réalisais, puis peut-être que Dieu me donnait cette réalisation-là aussi, je réalisais que ma vie ne serait plus jamais la même. Et pendant plusieurs années, beaucoup de choses sont arrivées que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas comment, je ne savais pas comment faire des deuils, comment éteindre l'inquiétude, comment vivre avec la lourdeur de l'épreuve et en même temps être ici pour vous, être ici pour l'équipe, être là pour ma famille, porter tout ça, c'était très, très lourd. Et je me suis accrochée à Dieu comme jamais auparavant. J'ai découvert des trésors de bénédictions dans les Écritures. Je me suis réfugiée, littéralement réfugiée dans les psaumes pour trouver la force de continuer de me lever le matin, littéralement, pour continuer ma route avec le Seigneur et juste laisser Dieu agir. Et Dieu a sauvé Robert, il l'a ramené. Oui, certainement, il est resté paralysé, tout ça, mais Dieu l'a fait revivre, littéralement. Il l'a fait revivre, c'est lui qui a décidé de sa destinée. Et il m'a fait revivre, et j'ai senti ce moment seulement il y a un an et demi, donc presque 4 ans et demi après l'AVC, j'ai senti que je revivais. Pourquoi, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas comment. Je me suis pas levée un matin, puis je me suis dit, merci Seigneur, tu m'as fait revivre. Mais je pense que c'est à travers le cheminement de plusieurs années, Dieu a fait un travail en moi. Et à un moment donné, j'ai réalisé dans un moment de prière dans mon bureau que j'étais heureuse. Puis il n'y a pas si longtemps, je m'étais dit, est-ce qu'un jour je vais pouvoir dire franchement et honnêtement que je suis heureuse? Et oui, et Dieu a permis ça. Dieu m'a vraiment, moi aussi, fait revivre et je peux profiter de la vie, je peux profiter de mon mari, puis je le vois, puis je sais que c'est un miracle. Je sais que Dieu l'a sauvé, Dieu l'a fait revivre, Dieu a permis qu'il soit encore avec nous. Et c'est juste un des miracles qu'il a fait, parce qu'un autre miracle qu'il a fait, c'est la guérison de sa malformation au cerveau. Ça, médicalement, c'est pas possible, mais Dieu le fait. Donc, un autre miracle. Fait qu'à travers ça, Dieu nous a montré sa puissance. Dieu nous a montré vraiment sa puissance. Et l'important dans ces moments où vous sentez que votre âme sombre dans la mort, dans un moment de mort, malgré que vous ne connaissiez pas le dénouement de votre situation, accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui tient la destinée de vos vies. C'est lui qui a le contrôle. J'ai découvert que le contrôle, c'est une illusion totale. Total, vous contrôlez rien, je ne contrôle rien. J'ai appris le relâchement. C'est fou les choses que Dieu nous montre dans les épreuves, dans les souffrances. Puis quand on les passe, ces souffrances-là, on se dit, est-ce qu'un jour je vais en sortir? Est-ce que je vais bien me sentir un jour? Oui, certainement, mais on apprend. J'ai appris tellement de choses, j'ai pas le temps de vous le dire, mais j'ai appris tellement de choses. Mais j'ai appris avant tout que Dieu est souverain, Dieu est puissant et Dieu peut faire des miracles avec vous et Dieu fait revivre. Amen. J'écoutais Monique et si vous êtes déjà venu au portail, peut-être m'avez déjà entendu raconter cette histoire qui est une histoire que j'aime beaucoup, qui résume un peu ce que Monique a vécu puisque plusieurs d'entre vous avez vécu ou pouvez vivre. C'est l'histoire de ce couple qui, lorsqu'ils se sont rencontrés, ont gravé un cœur et leur initiale sur un arbre. Et des années plus tard, le couple allait très, très mal. Et pendant qu'ils prenaient une marche, ce couple-là avait un chalet, et il y avait une forêt derrière, puis marchait. Et
discutait, est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on divorce, est-ce qu'on arrête ça là, est-ce que je t'aime plus, tu m'aimes plus, pourquoi est-ce qu'on reste ensemble juste pour les enfants, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas? Puis en marchant pour discuter de tout ça, il y avait l'arbre, et l'arbre était comme mort. Puis l'homme s'est dit, bon, mais c'est symbolique, il a coupé l'arbre. Finalement, le couple a resté ensemble encore quelques semaines, quelques mois, le temps de régler les choses, et en reprenant une marche, ils ont vu l'arbre que l'homme avait coupé, mais il avait germé, il y avait un bourgeon qui était là. L'homme s'est dit, si je croyais que c'était symbolique, lorsque je l'ai coupé, je croyais qu'il était mort, qu'il n'y avait plus de vie. Peut-être qu'il y a encore de la vie dans notre couple. Et peut-être que tu es dans une saison où c'est l'hiver de ta vie, mais Jésus peut encore ramener la vie dans ce que tu vis. Peu importe ce que tu vis. Monique l'a vécu, il y a plein de gens qui l'ont vécu. Pas à ce niveau-là, mais Dieu est le Dieu de la vie. Et le Dieu de la vie peut ramener la vie à tes rêves qui sont morts. D'une manière différente, mais il est fidèle, il va marcher avec toi. Et comme ces femmes ont la mort dans l'âme, et alors qu'elles vont au tombeau, elles se posent la question, mais qui va rouler la pierre pour nous? Parce que lorsqu'on mettait quelqu'un dans un tombeau, on mettait une grande pierre, une pierre que personne ne peut rouler. Et ces femmes étaient tellement préoccupées par le quotidien qu'elles passaient à côté de l'essentiel. Et ça, c'est une des choses que je vois, même moi, en tant que pasteur, en tant que croyant, une des choses que je trouve difficile, c'est que je suis tellement préoccupé à survivre au quotidien que j'oublie de m'arrêter pour réaliser quel est le sens véritable de la vie. À quoi ça rime tout ça? Est-ce que tu es avec moi? Et ces femmes se posent la question. Et regardez, levant les yeux, elles voient que la pierre qui était grande a été roulée. OK. Il y a quelque chose de vraiment important qui prend place là-dedans, et on le voit dans toute la Bible, et c'est probablement le principe le plus important de la Bible. Dans le royaume de Dieu, c'est probablement la règle la plus importante. Dieu est déjà discrètement à l'œuvre dans ta vie. Dieu peut rouler la pierre que tu ne peux pas rouler. On est dans une culture, dans un monde où on nous dit, même la religion nous le dit, la philosophie nous le dit, « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Robert ne pouvait pas s'aider, puis Dieu l'a aidé quand même. On est dans une génération, on dit « Vas-y, tu vas réussir par toi-même. » Et la première clé, si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que tu as besoin de lui. Et on se bat avec ces deux systèmes. Comme par exemple, ceux qui ont été élevés au Québec, on est en deux systèmes. Il y a le système métrique, je l'ai déjà dit, puis tu as le système impérial. Par exemple, il y a des gens ici. Si je te pose la question, combien tu mesures? Quels sont ceux que tu vas me répondre en pied? Lève la main. Quels sont ceux que tu vas me répondre en mètre? Lève la main. On parle de la même chose, mais il y a deux systèmes. C'est la même chose pour le poids. Madame, combien vous pesez-vous? Quels sont ceux, si je te pose la question, combien tu pèses, tu vas me répondre en livres? Quels sont ceux qui vont me répondre en kilos? Quels sont ceux qui vont me dire, c'est pas de tes affaires? Puis il y a deux systèmes par rapport à Dieu. Il y a le système qu'on appelle la grâce, la faveur imméritée. C'est reconnaître que tu peux rien, reconnaître que tu as besoin de Dieu. Puis tu as l'autre système qui n'est pas un système biblique, qui est un système que Jésus a dénoncé, qui est ce système par tes œuvres, par la performance. C'est essayer de gagner ton ciel, mériter la faveur de Dieu, dire « je suis une bonne personne ». Puis ça ne marche pas. Ces femmes-là, elles avaient besoin que Dieu roule la pierre à sa place. Et il y a des choses dans ta vie que tu ne vas pas réussir par toi-même. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Et ça amène l'autre point. Il leur dit, ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Donc, troisièmement, déjà Dieu est discrètement à l'œuvre dans ta vie. Ça prend du courage pour revivre parce que ces femmes-là étaient dans la peur. Mais regardez, cinquièmement, Jésus est mort pour te permettre de revivre. On parle de Jésus, le crucifié. Ce matin, on est là, puis on parle de Pâques, puis on parle de vie, puis on parle d'espoir. Mais c'est facile d'oublier qu'il n'y a pas de Pâques sans Vendredi Saint. Tu vas voir que j'étais à l'école longtemps, il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Souvent, on aime beaucoup la résurrection, c'est une belle histoire de rédemption, mais la crucifixion, pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour que toi, tu vives. Jésus est mort pour que toi, tu vives. Et souvent, moi, je me souviens, la première fois que j'ai vraiment entendu parler de la personne et de l'œuvre de Jésus, j'étais mal à l'aise avec la croix.
J'étais mal à l'aise avec des gens qui vont se réjouir de la croix. Je donne un exemple. Il y a une jeune fille qui avait très honte de sa mère. À chaque fois que ses amis venaient à la maison, elle disait à sa mère, « Cache-toi, je ne veux pas que tu viennes. » Pourquoi? Parce que sa mère avait subi de graves brûlures, elle avait les bras brûlés, et l'ado avait honte de sa maman. Puis même quelquefois, lorsque la mère devait être là, elle lui disait, « Mets des gants, ou mets des manches longues, mais cache-toi, cache-toi. » Puis elle était très méchante parce que elle disait, « C'est dégueulasse. Tes mains sont dégueulasses, tes bras sont dégueulasses, je ne veux pas les voir, je suis mal à l'aise, tu me fais honte devant mes amis. » Et un jour, l'ado a demandé à sa mère, elle dit, « Tu ne m'as jamais raconté comment que c'est arrivé? T'es né comme ça? » Puis la mère dit non. Elle dit, « La vraie histoire, un jour, il y a eu un feu alors que tu étais petite. » Puis le feu faisait rage et ça avait commencé dans le système électrique de ta chambre. Et lorsque tout le monde disait, « OK, quittez la maison, j'ai été dans ta chambre, il y avait du feu partout, je t'ai pris dans ton berceau puis je t'ai sorti de là. Puis c'est à cause de ça que mes bras sont brûlés aujourd'hui. Mais c'est le plus beau sacrifice que j'ai fait. » La jeune fille a commencé à réaliser que finalement, ces bras-là, c'était pas dégueulasse, c'était les plus beaux bras au monde, parce qu'ils l'ont sauvé. C'est pour ça que les chrétiens, on est fiers de la croix de Jésus, parce que ça nous sauve, ça nous pardonne, ça nous réconcilie avec Dieu. Puis là, du monde, là, t'es là, puis je te sens sceptique, tu dis, « Ouf! Encore le vieux fond judéo-chrétien, il va nous parler du péché! » Ah, parce qu'aujourd'hui, on n'aime pas, on dit le péché, puis l'idée, on pense que c'est pour condamner, nous culpabiliser, mais la réalité, tout le monde reconnaît, même au Québec, que tout le monde est pécheur à la preuve, tout le monde va dire qu'il n'y a personne de parfait. On l'appelle autrement, mais c'est la même affaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin, Jésus est mort à notre place. Pour te donner un exemple, un jour, j'ai eu une vision. OK, c'est pas vrai, là, OK? C'est une blague. J'ai eu une vision. J'ai vu un ange au ciel et derrière l'ange, il y avait un paquet d'horloges. Donc, je demande à l'ange, je dis, à quoi ça sert ces horloges-là? Et l'ange me dit, lorsqu'une personne va naître sur la terre, il y a une horloge qui apparaît au ciel et à chaque fois que cette personne-là commet un péché, l'aiguille avance. Je dis, c'est intéressant ça. J'ai des amis. Donc, je dis, pasteur André qui travaille au niveau de la relation d'aide avec nous, je dis, est-ce que je pourrais voir l'horloge de pasteur André? C'est un homme mature, d'expérience, ne doit pas avoir beaucoup de péchés. Touc, touc, touc. Oh, je ne savais pas ça. Ça avance. Il dit, OK, je peux-tu voir Pasteur Monique? Pasteur Monique, avec ce qu'elle a vécu, ça doit être une sainte. C'est sûr que... Oh, pas tant que ça, non. Quand même du péché. Des pensées, des choses, des actions, des paroles. OK. Genre, peut-être Ralph, notre pasteur de jeunesse, lui, il est jeune, il doit être assez naïf, ça doit bien aller dans sa vie. Je regarde et là, oh, ça trottine! Je dis, je vais quand même vérifier l'horloge de Karen, c'est son épouse. Il y en a un petit peu moins parce que c'est une femme. Et les femmes disent... Et là, je m'amuse à voir tous les gens que je connais, les gens que je respecte, les gens que je considère comme des purs, des saints, mais tout le monde, ça avance, certains plus vite que d'autres. Puis là, à un moment donné, je dis, « Ah, pasteur Philippe! Est-ce que je pourrais voir l'horloge de pasteur Philippe qui est mon collègue? » Celui qui a parlé tantôt, là. Tu sais, il vient d'Europe, il doit avoir plus de péchés dans sa vie, je sais pas. Là, je demande à l'ange, « Est-ce que je peux voir l'horloge de pasteur Philippe? » Puis il me dit, « Oui, mais il va falloir que tu viennes avec moi. » Je dis, « Pourquoi? » Il dit, « Parce que l'horloge de pasteur Philippe est dans ma chambre. » Qu'est-ce qu'elle fait là? Il dit, « Je m'en sers comme ventilateur. » Sérieusement, si une telle horloge existait, tout le monde ici, moi le premier, l'aiguille avance. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur. Et notre équipe de Terrebonne, vous savez, on a une église à Terrebonne qui se réunit au cinéma Gouzeau. Notre équipe de création, eux, ce matin, leur thème pour Pâques, c'était « La dette a été payée ». Et j'aimerais vous présenter le vidéo parce que ça illustre bien ce que Jésus a fait en mourant à la croix. La Bible dit souvent que notre péché, c'est comme une dette qu'on a envers Dieu. Et Jésus a payé notre dette. Vidéo.
La dette a été payée. C'est la bonne nouvelle de Jésus. La dette a été payée. Il est mort à notre place. Lui qui était sans péché, il est mort pour nous. Et ce texte nous apprend non seulement que Jésus est mort pour te faire revivre, mais que Jésus est ressuscité pour te faire revivre, te donner la vie abondante et la vie éternelle, parce que la résurrection confirme que Jésus est vraiment celui qu'il a dit qu'il était. Moi, je peux dire que je suis le Sauveur, je suis le Messie, je vais vous donner la paix, je vais vous donner la puissance. Mais n'importe qui peut dire n'importe quoi. La preuve que Jésus est vraiment le Sauveur, c'est que Dieu l'a ressuscité. OK, vous n'avez pas l'air convaincu, je vais vous donner un exemple. C'est comme si, par exemple, dans ta première date, t'invites une fille, une jeune demoiselle, puis tu veux l'impressionner, et tu l'amènes dans un super restaurant. Mais vraiment le restaurant. Et là, lorsqu'elle ouvre le menu, elle se rend compte que c'est cher. Elle dit « Ah, c'est cher ici. » Puis tu dis « Fais-toi-en pas, c'est moi qui paye. » Et là, à un moment donné, le serveur vient te voir puis te demande « Est-ce que vous allez prendre quelque chose? Est-ce que vous voulez la carte des vins? » Puis tout ça. « Est-ce que vous avez choisi? » Tu dis « Garçon, emmenez-moi votre meilleur vin. » Et là tu mets la totale, le super repas, et à la fin de la soirée, la facture arrive. Le problème, c'est que tu n'es pas sûr d'avoir assez d'argent dans ton compte pour payer. Maintenant, il peut se passer deux choses. Alors que tu rentres ta carte, tu sais, vous savez, le moment où tu pèses « Enter » et que tu attends le verdict, hein? Est-ce que du monde t'a déjà vécu? Dis pas « Amen », fais juste un petit geste discret. Tu sais, quand t'es serré, c'est comme... Là, tu pries, tout à coup, même si t'es pas croyant, tu pries. Et là, si c'est écrit « Transaction refusée », t'es le plus grand loser du Québec. C'est un peu la même chose. Si Jésus n'est pas ressuscité, je m'excuse, Jésus est le plus grand loser de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il ne livre pas la marchandise. Mais imagine que t'es là, puis là, tu penses que ça passe pas, puis là, tout à coup, t'asseyes. Et là, c'est écrit « Transaction acceptée ». Je le savais. La confiance revient. Maintenant, Jésus savait que le Père était pour le ressusciter. Il est vraiment le Sauveur. Il pardonne vraiment. Il libère vraiment. Et sa résurrection est la preuve qu'il veut te redonner la vie. Premièrement, spirituellement, parce que des gens, permettez-moi de répéter une chose que j'ai déjà dite. Souvent, les gens ne comprennent pas comment Jésus peut ramener la vie éternelle, alors qu'on continue de vivre, puis comment est-ce qu'on peut être mort. La Bible dit que sans lui, nous sommes morts. Nous sommes déconnectés de Dieu. Tu peux essayer ce que tu veux, tu es déconnecté. Il y a un seul chemin pour revenir vers Dieu, c'est Jésus. Et c'est un peu comme si tu prends une poule et tu lui coupes la tête, qu'est-ce qui va arriver? Elle continue. Ça, c'est toi. Il est venu à l'église de Portail. C'était moi. Pendant des années, pendant 70 ans, 80 ans, tu te maries, tu as des enfants, tu as une belle maison, tu as une belle job, mais tu passes à côté de l'essentiel. Poule, pas de tête, tu es déconnecté de Dieu. Et quand tu meurs, ça s'arrête là. Alors que la Bible dit, quand tu retrouves la vie de Jésus en toi, c'est tellement puissant que ça va avoir un impact jusque dans la vie éternelle. OK, permettez-moi de régler une autre chose. Vous savez, dans notre culture, souvent, on demande à monsieur, madame, tout le monde, il arrive quoi à la mort? Généralement, les gens vont dire, moi, j'ai pas peur de la mort, je sais pas ce qui va arriver, mais je suis sûr que je vais être dans le grand, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Je vais y arriver, ça sera pas long, là. Moi, je crois que lorsque je vais mourir, je vais juste aller rejoindre le grand magma cosmique. Tu sais, on croit qu'on va aller joindre un tout, là. Je sais pas c'est quoi, mais c'est juste l'amour. Moi, ça m'intéresse pas d'aller dans une gibelotte cosmique pour l'éternité. Et Jésus, sa résurrection, c'est pas juste un esprit. Jésus ressuscite avec un corps de gloire. Ça nous dit qu'il y a une vie après la mort. Et cette vie-là, moi, mais j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai des amis. J'ai pas le goût de passer l'éternité dans un malaxeur cosmique, mélangé avec tout le monde, dans une énergie. Ce que je veux de l'espoir. Et Jésus offre l'espoir. Il n'y a pas de malaxeur cosmique. Chaque personne, il a une destinée pour ta vie. Et ça, c'est important, non seulement pour tes proches, mais pour toi-même. Et la résurrection de Jésus nous enseigne tellement plus. Et je continue. Verset 7. « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Moi, ça me touche parce que Jésus a un mot pour Pierre. Pour nos amis qui connaissent moins la Bible,
L'apôtre Pierre, c'est un cas désespéré. L'apôtre Pierre va renier Jésus. L'apôtre Pierre va lâcher Jésus. Ceux qui connaissent un peu leur Bible, l'apôtre Pierre va toujours confronter Jésus. C'est le paquet de troubles des disciples. Et Jésus nomme un nom, celui qui a une pensée, c'est pour Pierre. Alors que les autres disciples devaient se dire, « Ben voyons donc, Pierre. » Pourquoi? Parce que Jésus aime faire revivre les cas désespérés. Écoutez-moi bien. Je pense que personne ici n'est une trop bonne personne. Bonne personne, pour moi, ça, on fait notre possible, mais fondamentalement, nous avons tous besoin d'un sauveur. Il n'y a personne ici qui est trop une bonne personne, tu n'as pas besoin de Jésus, là, c'est un leurre, c'est un mensonge, tu te trompes toi-même. De l'autre côté, il y a des gens quelquefois qui ont un passé, qui ont un historique, puis qui pensent qu'ils sont pas assez purs, sont pas assez bons pour Jésus. De la même manière, moi, je crois que personne qui m'entend ce matin, que ce soit dans ce lieu, que ce soit cette semaine à la maison via Internet, que ce soit dans ta voiture, via le podcast, il n'y a personne qui est un cas trop désespéré pour Jésus. Oui. J'aimerais céder la parole à Catherine. Catherine qui a un passé difficile et qui peut témoigner de comment Jésus l'a fait revivre. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Je me mets un timer parce que je ne vais pas parler pendant 45 minutes. Sincère, là, c'est un privilège d'être devant vous autres parce que je crois sincèrement que je suis un miracle. Puis j'ai accepté que je pleurais en avant, c'est sûr, parce que Jésus, là, ce qu'il a fait dans ma vie, là, vous n'avez aucune espèce d'idée. Je ne peux pas vous transmettre en 5 minutes, c'est sûr. Mais je peux vous dire qu'à l'âge de 12 ans, moi, j'étais prédisposée, je vous dirais, aux dépendances puis au mal de vivre. Moi, j'ai toujours eu le mal de vivre depuis que je suis toute petite, en fait. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup, hein. On parle des, tu sais, quand on voit quelqu'un en chaise roulante, on a de la compassion pour lui. Mais la maladie mentale, l'anxiété, l'angoisse, là, ça l'habite beaucoup de gens. Puis ça l'habite, tu sais, la mort dans l'âme, là, c'est une maladie des émotions, moi, je pense. Mais c'est guérissable avec Dieu, puis... Je peux vous dire une chose, là, à 12 ans, quand j'ai touché à l'alcool, puis à 13 ans, quand j'ai touché la cocaïne, là, ma débauche là, a duré jusqu'à 27 ans. Puis je peux vous dire une chose, là, après presque avoir perdu la coordination de mes mouvements, puis être, comment je pourrais dire, les ténèbres, pour vrai. C'était vraiment des ténèbres, c'était des clubs, on ne dormait pas. Puis quand Dieu est venu me toucher, là, moi, je peux vous dire, j'étais à la recherche de quelque chose parce que arrêter par mes propres forces, là, revivre par mes propres forces, impossible. Impossible, j'ai essayé. 18-19 ans, je le savais. Je savais que j'avais un problème de consommation. Je savais que j'étais dans les dépendances, pas dans les bonnes gangs. Mais par mes propres forces, ça n'a jamais fonctionné. Puis quand j'ai rencontré Dieu lors d'une étude biblique, là, j'ai été complètement transformée. Puis j'ai été libérée. Ça fait 4 ans que je n'ai pas consommé. C'est une libération, pour vrai. Dieu est là. Dieu est vraiment grand. Puis si tu as été invité aujourd'hui ou que ta marche elle débute avec nous autres ou que tu es juste un chrétien qui sent qu'il est mort spirituellement, c'est possible. C'est possible, mais ça, c'est ensemble. Puis je n'ai pas fait ça tout seul. Il y a pasteur Monique qui était là tantôt. Je prie avec elle, tu sais, je m'entoure de nombreux conseillers. Ça, la parole m'enseignait ça. Tout seul, ça ne marche pas. C'est ensemble, c'est dans l'Église que j'ai trouvé ça. Puis c'est sûr que je vais vous dire, c'est à travers les fraternités anonymes aussi. Je le déclare parce que c'est un beau mouvement que Bill et Bob, qui étaient des chrétiens évangéliques, qui ont fait ça. Tu sais, les 12 étapes, là, c'est utilisé dans des églises, mais je peux vous dire là, que c'est un mode de vie pour moi d'appliquer l'Évangile. Puis je voudrais remercier mes parents d'être là. Mes parents sont là. Ouais. Merci de m'avoir donné la vie, mes parents. Tu sais, mes parents, c'est les premiers qui m'ont donné la vie. Puis c'est un exemple pour moi, 41 ans de mariage. Puis pas parce que c'est facile, là, 41 ans pareil. Puis ils sont encore ensemble, puis je peux vous dire que c'est pas commun dans ma génération. Fait que je veux vous remercier d'être là, puis je veux remercier mon mari, puis je veux remercier l'Église. Je veux remercier le pasteur Gaétan qui est là semaine après semaine, tu sais, c'est beau. Je peux, c'est ça, dans le fond, là, je pense que mon temps est fini. Oh! Merci. Vous savez, ça, c'est la plus grande des prédications.
Ah, moi, je peux me tenir devant vous. Mais en fait, si je me tiens devant vous, c'est parce que Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Puisque vous entendez des gens comme Monique, comme Catherine, il y a plein de monde qui pourrait témoigner. Et ça, là, c'est la puissance du christianisme. Vous savez, l'ange va dire, c'est là que vous le verrez comme il vous le dit. Je pourrais prendre le temps. Ce matin, j'aurais pu, là, de manière rationnelle, vous donner 20 raisons pourquoi Jésus est vraiment ressuscité. Vous parlez du tombeau vide, vous parlez des apparitions, des prophéties. J'aurais pu vous parler de plein de trucs. Mais ce qui est le plus efficace, ce qui m'a le plus touché, et pourquoi je déclare que Jésus est vivant, c'est parce que je le vois dans la vie de personnes qui se sont confiées en lui. Mon huitième point, c'est simplement ceci. Les licornes ne font pas revivre. Les licornes ne font pas revivre. Pasteur Gaétan, tu parles à la tête? Non, je le répète, les licornes ne font pas revivre. Pourquoi? La résurrection, c'est quelque chose de dur à croire. C'est normal. Si tu luttes avec ça, tu dis « Ah, c'est gros. » Oui, c'est gros. Oui, c'est big. Jésus est big. Et souvent, la première tentation, c'est de dire « C'est tellement gros que c'est de la fiction. » Mais ce raisonnement-là ne fonctionne pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que les licornes, c'est de la fiction, mais une licorne n'a jamais changé la vie de qui que ce soit. Les calinours ne sauvent pas. Les dragons ne donnent pas la joie et la paix. Jésus, oui. C'est ça la différence. C'est le témoignage de vie transformée. Je termine avec ceci. Les femmes sortent du tombeau, elles s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Des sentiments contradictoires. Et je me rappelle la première fois que j'ai entendu quelqu'un témoigner de ce que Jésus avait fait dans sa vie. J'avais toutes sortes d'émotions. D'un côté, j'étais touché, je sentais comme Dieu parlait à mon cœur, j'avais quelque chose qui se passait, je ne pouvais pas l'expliquer. De l'autre, j'avais une certaine peur, une appréhension, l'inconnu. Mais si je mets ma vie entre les mains de Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il fait, lui? J'avais peur. C'est normal de dire, OK, si là, je reconnais que Jésus est sauveur et seigneur de ma vie, puis je lui donne les clés, je lui donne le volant de ma vie, est-ce qu'il va crasher ma vie? C'est normal d'avoir ces émotions-là. C'est normal d'avoir ces pensées-là. Ces femmes qui connaissaient Jésus étaient d'un côté tremblantes et stupéfaites. Comme « Alléluia! » Un mélange des deux. Une chose est sûre, Jésus ne laisse personne indifférent. Peu importe ce que tu penses maintenant, peu importe ce que dans ton cœur maintenant, chaque personne est appelée à choisir. Ne pas choisir, c'est déjà faire un choix. Mais est-ce que Jésus est vraiment celui qui dit être le Sauveur, le Seigneur, le Roi des rois, Dieu ou pas? Petite vidéo. This is what they felt like when it happened. And today, it's how we should feel too. Because what it meant for them, it means for us.
Ce matin, j'aimerais simplement, sobrement, te donner l'opportunité de donner à Jésus l'opportunité de te faire revivre, d'amener la vie. Différents types de personnes, et moi, là, la manière, l'étiquette que tu mets sur ton front, l'étiquette religieuse, honnêtement, là, je m'en balance. Je le dis avec respect, là, je m'en balance, c'est pas important pour moi. L'Église, c'est pas important. Du monde dit, moi, je vais à l'Église à toutes les semaines. Moi, j'ai été élevé dans l'Église, puis là, je suis ici ce matin parce que ma mère ou mon père m'a invité, puis peut-être que tu te considères comme un athée. Peut-être que tu es un agnostique. Peut-être que tu dis, moi, je suis musulman, je me considère... Ou moi, je suis plus spirituel, science occulte, ésotérique. Pour moi, ce qui est important maintenant ce matin, là, c'est qu'est-ce que tu fais avec Jésus ce matin. Pas qui tu étais avant ou qui tu crois que tu es. Ce matin, je te pose la question, est-ce que tu veux donner l'opportunité? Est-ce que tu veux essayer Jésus? Est-ce que tu veux tester Jésus? Il y a du monde qui a essayé plein de choses, mais tu n'as jamais donné une vraie chance à Jésus. Moi, je veux te défier à lui donner une chance ce matin. Puis ça, c'est entre toi et Dieu. Donc, j'aimerais qu'on penche la tête. C'est pas un spectacle. J'aimerais prier pour toi ce matin. Si tu es ici et tu dis, moi, je veux donner une chance à Jésus. Moi, je veux revivre. Je veux revivre spirituellement. Je veux l'assurance de la vie éternelle. Je veux la grâce de Dieu. Je veux son secours. Je veux une deuxième chance. Je veux qu'il me libère, je veux qu'il me transforme, je veux le voir agir. Je réalise que si je suis honnête avec moi-même, comme tout le monde, l'aiguille de mon horloge n'est pas statique. Personne de parfait. Et quand on le réalise, le constat suivant, c'est simplement de réaliser qu'on a besoin d'un sauveur. Ce matin, c'était ici, tu dis, moi, Jésus, sauve-moi. Je t'invite dans ma vie, je t'accueille dans ma vie. Je n'adhère pas à une religion, je ne m'engage pas envers une église. Juste avec toi, tu es ressuscité. Si tu es ressuscité, tu es vivant, tu entends ma prière. Et comme dit le gars en avant, comme dit le pasteur, tu es présent dans ce lieu. Mais si tu es présent, je te défie. Viens bouleverser ma vie, viens changer ma vie pour le mieux. Permets-moi de vivre la vie que tu as pour moi. Comme je mentionnais tout à l'heure, la foi vient souvent avec des doutes, avec des inquiétudes, la peur de l'inconnu. Je peux te déclarer que Jésus est fidèle, que Jésus est bon, que Jésus est amour, qu'il ne va pas te laisser tomber. Les hommes t'ont laissé tomber. Les gens autour de toi t'ont peut-être abandonné, mais lui ne t'abandonnera jamais. Et si tu veux l'accueillir à venir dans ta vie ce matin, je vais te demander simplement, pendant que toutes les têtes sont penchées, simplement de lever la main. Surtout comme un signe, même pas un signe pour moi, j'ai les yeux fermés, je vais prier pour toi, juste un signe devant Dieu. Poser un acte, un pas de foi, un geste de foi. Donc, si c'est ton cas ce matin, là où tu es, je te demande simplement de lever la main, de la rebaisser aussitôt. Trop longtemps, tu as peut-être été passif au niveau des choses spirituelles par rapport à Jésus. C'est pourquoi je t'invite à poser cette action. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici dans ce lieu ce matin qui veut « Seigneur, viens me faire revivre, viens agir dans ma vie. Que ce que j'ai entendu, je veux l'expérimenter. » Merci à tous ceux qui ont levé la main.